Comment est-il ? Un champion du monde. Je ne dis que la vérité à son sujet. Ouais. Ben bien sûr, c'est vrai. Je ne dis que la vérité à son sujet. Ouais. Ben bien sûr, c'est vrai. Attends. Donc, on la voit avec un sorcier. Donc, c'est elle. Je peux vous dire que c'est elle, puisque c'est sa main, je la reconnais. J'ai des photos d'elle avec sa main. Et sa main, en plus, elle a des mains assez particulières, assez longues. Elle a un long pouce, des longs doigts, etc. Donc, je reconnais textuellement, enfin, pas textuellement, pardon. Voilà, je reconnais sa main. C'est clair, net et précis. C'est sa main, à côté de celle du pseudo-sorcier de mes couilles, sur qui je pisse dessus. Je te pisse dessus, toi, là, si tu m'écoutes. Je te pisse dessus, toi et tes sorts à la con. Là, tu vas brûler en enfer, toi et elle. C'est une chose bizarre, comme je n'arrêtais pas de le dire. Il y a des croyances bizarres, complotistes, complètement chiffonnées de la tête. J'ai eu des discussions avec elle. Elle est totalement frappée de la tête. Elle est bête comme ses pieds, comme tu n'es cessé de lui dire en privé. Et tu russes pas avec un filou comme moi. Okay. Donc la main de droite, enfin la main en, la plus en haut, c'est la sienne. Voilà, je la reconnaîtrai parmi 200 mains. C'est effectivement sa main, la main de Dieu. Bref. Donc on regarde sa vidéo avec le sorcier, donc c'est elle, c'est sa main à côté. Et vous allez voir, elle tire mon nom. Donc, c'est... Voilà à quoi. Voilà, j'ai poussé, je l'ai poussé jusque dans ses derniers tranchements. Elle peut tenter de manipuler tout le monde, c'est une mise à nu. Et donc tellement elle est à bout, tellement elle m'en veut en fait finalement de quoi ? D'avoir dit qui elle était. La diablesse, la sorcière, la maléfique, la cinglée. Vous êtes très attirant. Et vous allez entendre mon nom deux fois, il dit le chameau et il dit Walid. Voilà. Psaume, où t'es fulgo, Walid. Vidéo, j'ai dit, je précise que c'est sa main qu'on voit avec celle du sorcier. L'arbitre tunisien, Benaker, n'a rien vu. Alors, qui veut détruire l'autre ? Qui est maléfique ? Je t'urine dessus, diablesse, et tu ne gagneras pas le bras de fer. Tu ne peux rien contre la puissance walidesque. Tu es maudite des dieux. Tu seras anéanti par tout ce mal que tu crées ou je sais pas quoi. Bref. Rugissant et qui parvint à ce que cette grosse p***asse de Kelsa se fasse virer du loft. Je désinfecte. Il n'y a pas moyen, Jaja. Mais c'est pas possible, Niglo, parce que sinon, comment il y aurait mon nom dedans ? Tu marches comme prévôt. Les couillons, il est tombé dans les pièges. Ad vitam aeternam. Que je vous ai raconté ? Oui ! Alors dis-moi ce que c'est ! T'as grossi, t'as une sale gueule. Et maman dans ta gueule. Et maman dans ta gueule. Moi, je l'ai fait dans l'humour, la dérision. Pof, il a pris sa fessée, c'est tout. Mais non, elle me roule dans rien du tout. Donc, apparemment, ce ne serait pas sa main, alors. Ouais. C'est ce que je me disais aussi. Mais non, elle me roule dans rien du tout. Mais non, elle me roule dans rien du tout. Mais non, elle me roule dans rien du tout. Mais non, elle me roule dans rien du tout. La fée. Donc moi, je certifie que c'est sa main. J'ai des photos d'elle, notamment de ses mains. Et je peux vous dire que c'est sa main. Elle n'a pas une main commune en plus. Elle a des mains plutôt longues. Elle a un pouce très très long. T'as toujours pas le permis, à 40 ans il serait temps. T'as pas fait l'Indonésie, à 40 ans il serait temps. Mais ta gueule, mais qu'est-ce que t'es bouffi? T'as grossi, t'as une sale gueule. Et maman dans ta gueule.